suis avec Anaïs qui a composé cette magnifique ribambelle de maillots, toutes les couleurs. Alors qu'est-ce que ça représente Anaïs là? Qu'est-ce que c'est tous ces maillots? C'est tous les maillots du club qui ont existé depuis la création en fait. Donc le baseball et softball réunis, plus des petits bonus. Alors est-ce qu'on peut y aller par ordre chronologique? Alors chronologique, on commence par celui-là. C'est donc le tout premier qui date de la création du club, c'est ça? Donc en 88. C'est ça. Et ensuite, on a ces deux-là qui, a priori, ont existé en même temps. Je pense que ce Paris, c'était à l'extérieur et donc Patriote, c'était à domicile. Après, il y a les deux, alors les deux 35, là, bleu et rouge, apparemment, ont existé qu'une seule année. Et après, on passe au bleu marine, c'est à partir de 2013, si j'ai bien compris. Et le tout dernier, c'est celui-là. Qui date de 2018, du coup. Ton préféré, c'est lequel? Allez, entre nous. Entre nous, ça va être le premier, en fait, finalement. En quoi c'est important pour toi, toi qui es une fan du club, mordue, licenciée, et dont c'est le métier, effectivement, puisque t'es styliste, de pouvoir représenter tous ces maillots pour que les gens se fassent une idée comme ça? C'est intéressant parce que justement, on voit, rien que moi qui suis dans la mode, on voit l'évolution de la mode aussi, des styles. Quand on voit le warm-up, donc bleu roi, on sent que c'est les années 90-2000 parce que c'est une coupe beaucoup plus large, par exemple, alors que le dernier maillot est plus cintré, plus fité. Enfin, c'est assez intéressant pour ça, de voir l'évolution et du logo aussi, en plus, le choix des couleurs, ce genre de choses. Un dernier mot sur la casquette. Alors là, il y a un peu plus d'unité quand même dans la casquette. On se rend compte que au cours des années, si ce n'est la toute première, c'est-à-dire c'était la casquette des Pirates de Pittsburgh, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, on voit que le logo, quand même, il a passé beaucoup d'années, puisque le dernier P, il a juste quelques années, je crois. Oui, c'est ça, c'est le dernier P, donc rouge bordeaux sur bleu marine, c'est un truc, c'est 2012-2013. Donc le P avec l'étoile a duré, je pense, une bonne vingtaine d'années. Hein.